avis aux amateurs de danse, de chocolat et de décors de boîtes de nuit, c'est à Godsbarsveld que s'est tenue la Zumba Party numéro 1 de l'association Just Dance. Véritable phénomène de mode, cette première édition n'a pas manqué d'adeptes, puisque c'est devant une salle comble que les animatrices ont surchauffé la salle à coups de chorégraphie pour le moins dynamique. Hélène, présidente de l'association organisatrice de l'événement, nous dévoile le déroulé de cette soirée colorée. Alors bonjour Hélène, tu fais de la Zumba à Godsbarsveld, c'est ça ? Oui, c'est ça, depuis environ un an maintenant, j'ai ouvert mon association de Zumba. T'as créé ton asso, d'accord, elle s'appelle comment cette asso ? Donc c'est l'association Just Dance. D'accord, comme le jeu hein, pour ceux qui connaissent. Et alors pourquoi t'as voulu créer cet asso ? Alors en fait, depuis toute petite, je fais beaucoup de danse. Là, je m'étais un peu calmée. J'avais découvert ce que c'était la Zumba il y a à peu près 2-3 ans. Et je me suis dit, ça cartonne. Il faut que j'en fasse et il faut que je puisse faire découvrir aussi les habitants de God. Alors la Zumba, c'est un mélange de danse et de fitness. Mais c'est surtout un moment où voilà, on s'éclate, on est en soirée. On a envie de bouger, on bouge. On a un peu plus de difficultés, et bah, on ralentit. Là, le principal, c'est vraiment de s'éclater. D'accord, et aujourd'hui, alors si je dis pas de bêtises, c'est les 1 an de ton asso, et t'as organisé quelques petites animations, en plus d'un spectacle de Zumba. Oui, voilà, donc en général, les Zumba parties, c'est sur des thèmes. Bon, là, on est le week-end de Pâques, donc forcément, on a choisi le thème du chocolat. Et donc, on fait quelques petites animations. Il y a une grosse structure en chocolat qui a été faite par la boulangerie, pâtisserie, chocolaterie de Quaker à Godsbarsveld. Et on fait aussi gagner un soin visage par l'esthéticienne Manu Reva. Vous l'aurez compris, la Zumba, c'est avant tout un moment de bonne humeur et de détente, hein, pour les filles comme pour les garçons.